Le mec demande au Jarl. Demande ce que grand-père demande au mec qui dirige la société de suicide. Voilà. Alors, courage, faut que je vends. Que cette flamme fera mordant furif. Peur, rayonnement, rune de feu, rune de feu. C'est quoi ça? Redonne type par seconde et là instantané. Ah. Ça peut être intéressant aussi. Oh, ça permet de soigner les alliés. Foudre, éclair enflammé. Alors là, ça c'était beau. Inflige sans flamme, stupidité. Il arrive à boule de feu au hasard. Non. Bon. Ben, merci, hein. Alors, il demande quelle ambiance voulez-vous. Il veut, et lui, il demande une ambiance des années 70s et plus au fond des hippies qui se font matraquer par des policiers. C'est te dire à quel point il est horrible. C'est vous dire à quel point il est horrible. Ok, alors. Ah, je vais. Bon. Voilà. Alors, l'académie de Fort d'hiver, c'est guide des mages, hein. Je vous l'ai déjà dit. Ah, c'est marrant, j'adore quand je vois ma main et tout. Ah, les flèches armées sont remises dans le carquois lorsque l'arc est rangé, oui. Et avec un mode, tu n'as plus le carquois quand tu change ton arc pour ton arc principal. Désolé si je m'étire comme d'hab. Alors, courage permet de faire le saut le plus cool, de faire la chose la plus cool avec les dragons. Putain, avec les dépouilles de dragons. Et alors, toucher un pesant permet de soigner vos alliés. Ce qui est cool, très cool. Aussi vos cheveux, hein, soignez toute personne qui n'est pas trop fou. Ah, ça fait 10 minutes qu'on est là. Putain, ça fait une demi-heure. Oh, fuck. Ouais, mais bon, attendez, quoi. Bon. Alors, déjà ma magie. Je vais mettre quelques sorts en favori. Alors, destruction. Alors, éclair enflammé. C'est génial. Novice, apprenti. Bah ouais, bon ouais. C'est vrai que c'est niveau apprenti, bon ouais. Faut bien. Et... Ah, bon, là... Après, il va falloir... augmenter un peu ma guérison et ma destruction. Mais ça, je ferais ça... Quand l'Empire a capit... Ah, c'est vrai, faut qu'il y ait des fondations. Ça, je ferais ça quand... Attendez, c'est quoi ça? C'est trop fort, on voit le petit carré d'eau qu'il y a devant le... Désolé. Oui, je ferais ça quand je ferai avec les dommages juste après les... les sombrages, voilà. Ouais, parce que de toute façon, que ce soit la guilde des mages ou les voleurs, ça change rien, ça me fait chier. Je hais ces deux, je déteste ces deux trucs, mais bon, ça fait partie de mon truc.
Donc, et dans tout, et ça fait partie du jeu aussi. Donc, et dans tous les jeux, il y a toujours une partie qu'on aime bien et une partie qu'on déteste. Pourquoi je déteste particulièrement la guilde des mages et la guilde des voleurs, c'est parce que tu fais des dans la guilde des mages, tu vas faire des missions hein, qui vont t'amener non en fait tu as le boss final est un mob était absolument imbutable. Je l'ai tué d'un coup de chance. C'était un prêtre dragon. Il était horriblement dur. Je n'avais pas le niveau. Et pourtant, c'est un prêtre dragon. Et théoriquement, le niveau augmente avec ton niveau. Le niveau du jeu augmente en même temps que ton niveau. Sauf les géants. Les géants, ça c'est sûr, ça augmente pas avec, en même temps que ton niveau. Ben. Faisons cette fameuse mission. Attendez, il est où? Quête. Ah, merde. Ah là. Ah, il est là. Désolé pour s'il y a un grésillement, j'ai touché mon micro. En fait, je me suis. Alors, je me trompais sur son compte. Vous aviez raison, Gamma. De nouveau. Qu'un mot à dire, monseigneur, et Blancherive est à vous. Blancherive n'est qu'une étape pour parvenir à notre but. J'ai passé nos camps en revue. Nous sommes prêts, Ulfric. À votre signal. Est-il possible d'être prêt à donner un ordre qui se sent Merde, Non. Mais tous les hommes ne sont pas forcément capables non plus de donner cet ordre lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais vous êtes cet homme, Ulfric. Oui, vous êtes un monstre, Ulfric. Oh, bah ça alors. Voyez, ces sports divers sont. sont côté de Vendôme. Ce qui veut dire que les trois guildes sont du même camp. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Sommes-nous vraiment prêts? L'armée de Blancherive sera sans aucun doute renforcée par des légionnaires. De plus, les remparts de la ville sont anciens, mais ils sont toujours debout. Nous sommes prêts. Moi, je suis peut-être âgé, mais j'abattrai ces maudits murs à coups de pied si vous me demandiez de le faire. Oui, et je suis sûr que vous pourriez le faire. Très bien, nous y sommes. Oui. Envoyez le message suivant. Une nouvelle aube s'annonce et le soleil s'élève au-dessus de Blancherie. Oui, et les fils de Bordeciel accueilleront cette aurore en souriant de toutes leurs dents et en brandissant leurs épées. Ouh. Hâtez-vous de rejoindre notre camp à Blancherie. Je veux que vous soyez en ligne de front. J'ai un pressentiment à votre sujet. Votre place est sur ce champ de bataille. Je veux que vous vous y rendiez. Beaucoup mourront de ma main. Alors ils rejoindront les dieux auxquels ils croient encore. Que Talos soit avec vous. Allez. Il est réglo le mec, hein. J'ai intérêt à quitter manuellement parce que ça veut pas automatiquement. Et putain, pourquoi ça veut... J'ai toujours pas assez d'influence auprès du... Oh. Je voudrais une formation de magie de destruction. Ah ah. Ouais, je me ruine. Mais bon, c'est pas la bonne cause. Et en plus j'ai levé la... Yeah. Ouais, j'augmente un peu ma magie pour une fois. Armure, parade, inutile, armure lourde. C'est quoi l'autre?
Voilà. Oh, il a raison. Hop. Ou destruction. Ouais, c'est bien, destruction. Oh, destruction apprenti. Ouais. Histoire que... J'aurai de la bonne destruction quand je ferai la guilde des mages. Non, je pense pas avoir... Oh, attendez. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Et regardez ça. C'est de dire que... C'est vous dire qu'on est dans un, totalement dans un autre monde ou que c'est vraiment au début de notre je peux même plus dire et interdiction de se téléporter à Blanchefeuille, ok mec. C'est vous dire qu'on est au début de la descente de notre planète, parce que si je vous je sais pas s'il y en a qui le savent, mais avant la lune était super proche de nous, mais vraiment super proche, ça prenait quasiment tout le ciel la nuit. Et ben et qu'avec le temps la lune circulait de quelques centimètres, évidemment dans l'espace c'est rien, mais comme ça fait des milliards d'années que elle est là, bah c'est loin quand même, hein, quelques centimètres par an. Et pour arriver à ce point aujourd'hui où on a des éclipses parfaites. C'est vous dire à quel point on est chanceux à notre époque, hein. Profitez-en, mes amis. Profitez de ces moments, de ces petits moments que nous, que seuls nous pouvons en profiter. Profitez-en. Bon. Je vais être gentil. Bon. Alors, toi, tu sors ton épée. Merci. Hein? Prétendre que notre cause est infondée et que nous ne sommes rien de plus que des voleurs, des malfrats et des assassins. Mais non. Hein? Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles. Je vais me rapprocher.